Hey yo les gens, c'est Maître Boostiflore et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc aujourd'hui on va faire, comme vous voyez derrière moi, une scie circulaire dans Minecraft. Alors pour faire cette scie, il va falloir trois composants très simples. Alors il va vous falloir des porte-armures que vous avez trouvé ici, des dalles de la couleur que vous voulez, mais moi je vais prendre des dalles de chêne noir, et de la neige que je vais poser, que je vais prendre ici. Alors pour commencer, ce que vous allez faire, attendez deux secondes, c'est que vous allez creuser entre 1, 2, 3 et vous allez poser ça autour. Donc les planches de chêne autour. Ensuite, vous placez un comme ça, il faut que ça soit droit. Pas droit. C'est important que ça soit droit. Pas droit. Droit. Ensuite, vous allez faire 1, 2, 3. Pas droit, pas droit, droit, et ensuite, hop, droit. Et quand vous reculez, comme ça, on dirait pas que c'est une scie toute dure, mais quand vous reculez, on dirait bien une scie qui tourne et qui coupe quelque chose. Bon, là, elle est dans le sol, hein. Mais vous pouvez faire, par exemple, un petit débris de bois, des petits débris de bois à côté. Genre, vous posez un bout de bois, comme ça. Attendez. Et ça fait genre qu'ils ont coupé du bois. Donc je trouve que c'est une bonne idée. Ça. Si vous voulez impressionner vos potes, franchement, c'est à mon avis un tuto que vous n'allez pas beaucoup trouver sur internet. Hein. Comment faire une scie sauteuse dans Minecraft. Je pense que je suis le premier youtubeur. Enfin, une scie circulaire dans Minecraft. Je pense que je suis le premier youtubeur à le faire. Faut pas louper ça. Donc si t'as aimé cette vidéo qui était quand même assez courte, je suis vraiment désolé. Donc cette semaine, j'ai essayé de vous sortir un peu plus de vidéos. Donc toujours cette vidéo, tapez, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager ma vidéo, faire quelque chose sur mes vidéos. Si tu n'as pas aimé la vidéo, n'hésite pas à le dislike et à le dire dans les commentaires. C'était Maître Boostiflore. J'espère que ta vidéo sera... T'auras... Je perds mes mots. Je perds mes mots tellement que vous êtes bien. Mais... Laisse-moi grimper. Laisse-moi. Et aussi, si vous voulez sauver la faune et la fleur des Boostiflores, ce serait vraiment bien de s'abonner, hein, parce que sinon, faire des dons aussi. Vous likez, ça fait des dons, automatiquement. Enfin bref, c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, je me répète et je m'en fous. Mais voilà, c'était tout, donc j'espère qu'elle t'aura plu, comme trois fois que je suis en train de le dire. Dans les commentaires aussi, dites-moi, c'est très important, dites-moi si des thèmes, quelque chose que vous voudriez que je fasse sur... sur ma chaîne YouTube, si ça vous intéresse. Parce qu'après, moi, on m'a dit, ouais, mais tu fais plein de trucs, t'as plein de trucs que tu fais pas et que j'aimerais bien que tu fasses. Donc, dites-le moi vraiment dans les commentaires si vous voulez que, si vous voulez que je fasse ce que vous m'avez dit. Et aussi, pour finir cette vidéo, enfin, petite dédicace à Leonardo XD et le Roquefort. Donc, je crois que je vais mettre la chaîne de Roquefort dans la... en description, parce que son pseudo est quand même assez dur à trouver. Franchement, le Roquefort, c'est un très bon youtubeur, je vous le conseille. Il son youtubeur est juste là pour vous aider. Il a 49 abonnés, mais il est là que pour vous aider. Il va s'abonner à vous s'il l'aime. Ça va être un abonné actif. Donc si vous êtes actif avec lui, il sera actif avec vous. Et ça, c'est vraiment bien. Franchement, je trouve que les gens comme ça, ça se fait vraiment. C'est vraiment bien. Et Leonardo XD aussi. Hein. Ça, vous le savez depuis ma vidéo d'Ikias. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On vous adore.